Et là, attention, ça va être 15 secondes. C'est parti. Meilleur départ pour 51. Et 51, c'est quand même plus à la mort que du truc. Le numéro 25 sur sa belle lutte à gauche, c'est Chandonné Bosquier. Donc pour l'instant en tête, Christian Monpot. En deuxième position, nous aurions trouvé Bruno David. Le numéro 90. Le numéro 10, c'est Christian Monpot. Donc j'entends déjà les motos dans la descente. Christian Monpot, numéro 10, en tête. En deuxième position, le numéro 90, Bruno David. En troisième position, le 46. De notre ami Jean-José Bosquier, mais il ferme peut-être la marche, mais il le fait le circuit, il le fait bien. Attention, attaque de Bruno David, attaque du numéro 90 sur Elola. J'étais en train de te dire que tu avais eu courage, mais elle ne marche pas, mais c'est dommage, on a vu une très belle photo. Donc on en revient de mouton. En tête, maintenant, ah non, non, c'est pas fait. Et voilà, c'est pas fait. Le numéro 90, c'est le Bruno David. En deuxième position, Christian Monpot. Le numéro 10, Christian Monpot. En troisième position, Christian Direct. Le numéro 40. Quelle ensuite que le son. Le son, c'est le son, c'est le son, c'est le son.
Marco Dubas vient de lancer une petite ardue et le numéro 28 qui est libéré. Et le numéro 42, c'est Stéphane Copac. Donc la machine Honda, le numéro 90. Il a fini deuxième dans la manche précédente. Derrière Michel Combe. Et là, cette fois-ci, dans cette série-là, il est en tête. Sur sa Honda, M. Bruno David, le numéro 90, en deuxième position, Eric Bonfou. Christian Bonfou, pardon. Eric, c'est celui qui a gagné la manche d'avant. Allez, chez les Bonfou. Le 160, c'est Jean-François Poujol. Le 71, c'est Didier Houllier. Donc maintenant, c'est parti pour un cavalier seul pour l'homme de tête, M. Bruno David, qui tire en respect. Vient de passer Guy Alibert, le numéro 28. Le 42 dans Claude Dubat. Le numéro 51. Doucement, drapeau jaune.